Bonjour, festival de Sens. Jusque lundi, Stolia qui plante sa tente sur le village du festival, place Drapès, sur le parking de l'hôtel de ville ou alors sur les studios de Stolia FM, là où nous sommes actuellement, rue Thénard. Nous aurons le pouvoir de réunir les groupes, chanteurs, chanteuses qui feront vivre ces 3 jours de fête. Pourquoi 3? Car hier, la pluie a tout gâché. Il n'y aura pas eu de cendrillon dans la cour du palais synodal. Demain est un autre jour qu'ils disent et aujourd'hui, la lumière est. Du coup, peut-être qu'on aura l'occasion de voir autre chose. Il faut l'espérer. En tout cas, au programme Carmen Intime, un opéra qui prendra place au CEREP rue Rigaud à 18h. Nous avons pu échanger des propos avec son metteur en scène Frédéric Rouls à 19h30 sur la scène du parvis de la cathédrale Newton pour faire la première partie de Gaëtan Roussel qui lui doit performer à 21h. Nous avons eu Arca et nous sommes actuellement sur le studio de Stoliac avec Gaëtan Roussel. Bonjour. Bonjour. Il faut savoir que pendant votre concert, il y aura une autre performance, mais c'est sur la scène ouverte, cette fois-ci, place Drapès. On aura l'occasion d'y revenir. Tout d'abord, et avant de pouvoir entamer cette interview avec Gaëtan Roussel, je vous propose le journal du festival. On revient à notre manière sur ce qui s'est passé hier soir. Hier, désillusion, la pluie ne veut pas s'arrêter. On ne sait pas encore si Cendrillon est maintenu, mais son chorégraphe Thierry Malandin était déjà désabusé. Il savait que, pluie ou non, le spectacle ne serait pas joué à fond. Ça ne l'a pas empêché de boire un verre à la mairie où un pot spécial lui a été réservé par la députée maire. Pendant ce temps, en ville, on croise Daniel Paris sur la scène ouverte et un peu plus loin, Bassirou Sania. Mais le père de Bakary n'était pas vraiment là pour parler culture. C'est vrai, ils se sont entraînés la veille à la même heure. Et Bakary m'a dit. Oui, Bakary, il m'a dit. Qu'est-ce que. Mais lui, il est habitué à la chaleur, lui, le Brésil, ça ne le fait pas mais peur. Mais c'est lui. Pas pareil. Ouais. S'entraîner à 13 ans. Il m'a dit, c'est un truc de ouf. À 13 ans, il m'a dit, surtout qu'on avait soif. La danse aura bien lieu. Il est 20h, les danseurs de Thierry Malandin jugent que c'est jouable. Une course contre la montre débute pour monter le décor. Pendant que les balais s'activaient pour sécher le parquet, il y avait Franck Ralliard, sosie vocale de Claude François. C'est le premier chanteur à être monté sur la scène ouverte. Je viens dîner ce soir, j'arrive dans moi. Je viens. Lien de cause à effet ou pas, c'est au moment où Franck Ralliard s'est mis à chanter que la pluie a commencé à revenir. Plus de peur que de mal, Franck Ralliard ne finit pas électrocuté comme son idole. Nous sommes néanmoins sceptiques pour la suite du festival. Danse ou pas danse, le suspense aura duré jusqu'au bout. Le ballet de Biarritz était prêt, attendu jusqu'à 22h20, mais la pluie continuait. C'était impraticable. On retrouve plus tard 3 danseuses venues de 3 continents différents nous expliquer que ce n'est pas la première fois que ça leur arrive. Alors, je m'appelle Aureline Guillot, j'ai 30 ans et je suis danseuse au Ballet Biarritz depuis 6 ans. Je m'appelle Miyuki Kanei, j'ai 32 ans, je suis japonaise, ça fait 8 ans que je travaille avec Thierry Malandin. Je m'appelle Patricia Velasquez, je viens du Mexique, j'ai 23 ans et ça fait 1 an et demi que je suis dans la compagnie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas jouer et d'avoir un spectacle finalement annulé à cause de la météo? Alors ça nous est arrivé il y a peu de temps. Oui, c'est ça. C'était mon anniversaire l'année dernière. Mais c'était en août l'année dernière en fait. Ça fait presque déjà 1 an. On était à Vérone pour un festival aussi en plein air. Et on a commencé le spectacle et au bout d'un quart d'heure, on a dû l'annuler parce qu'il y a eu vraiment un gros orage, trombe d'eau, impossible. Enfin, même, en fait, c'était pour le public surtout que c'était particulièrement compliqué. Mais oui, non, c'est déjà arrivé. Pour le public de Sens, c'est également particulièrement compliqué hier soir car ils n'ont donc rien pu voir. On en revient à aujourd'hui, samedi ou à 21h sur le parvis de la cathédrale. Jouera Gaëtan Roussel. Rebonjour Gaëtan Roussel. Rebonjour. Vous étiez déjà venu à Sens auparavant, mais cette fois-ci avec Louise Attac. C'était au théâtre. Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs? Vague, non. Mais c'était il y a très longtemps. En effet, très longtemps. C'était il y a une dizaine d'années. Oh, même plus. Ouais, beaucoup plus, je pense. Et malheureusement, voilà, on n'a même pas de date précise par rapport à ce moment. Désolé, mais je me souvenais d'être venu, ça j'en suis sûr, parce que quand on est venu me chercher à la gare, on discutait avec les personnes qui sont venues me chercher à la gare, qui sont venues me chercher à la gare, pardon, et je me rappelais très bien être venu au théâtre de Sens.
Aujourd'hui, on est avec votre second album solo, cette fois-ci, Orpailleur. Alors, pour comprendre un peu ce que pourrait être cet album, rien de plus simple finalement que de diffuser le morceau éponyme. On se retrouve tout de suite après. Ça marche. Tambouriner aux alentours, happé, posé, j'ai cherché, foncé, fait demi-tour. What are you looking, are you looking for? D'un geste circulaire, tamiser l'univers, orpailleur, orpailleur, orpailleur. L'orpaillage et la recherche et l'exploitation artisanale de l'or dans les rivières, en quoi cela vous a inspiré Gaëtan Roussel ? C'est plutôt la dimension recherche plus que or qui m'a intéressé. Moi, j'ai pas la prétention de chercher de l'or, mais j'essaye de chercher des sons, des sonorités, des mots, des assemblages, des matières. Donc c'est cette idée-là qui m'a plu dans Orpailleur. Après, cette idée de tamiser, voir ce qui reste dans le tamis, ou alors de trouver quelques idées et puis de se dire qu'il y a peut-être un filon. Donc de continuer. Après, faut accepter que parfois les voies sont sans issue. Faut revenir, faut continuer à chercher. À chercher et à pouvoir trouver finalement des mélodies différentes, bien différentes. Si par exemple on reprend le début de votre carrière, vous avez eu deux groupes, Louise Attaque, Tarmac. Cette fois-ci en solo, c'est un son et des sonorités très différentes. On part sur quelque chose de plus électropop, il y a même peut-être des influences trip-hop, on peut se permettre de le dire. Oui, sur le deuxième album, oui, c'est vrai. Il y a des morceaux comme un morceau qui s'appelle Poésie ou un morceau qui s'appelle Par-dessus tes épaules qui peuvent tendre vers un trip-hop. C'est des choses que j'ai pu écouter et que j'aime, comme Massive Attack ou dans un autre registre, c'est pas du trip-hop, mais des arrangements de cordes, des choses comme ça. Björk a fait des choses magnifiques. Voilà. Donc, quand je cite ça, c'est sans prétention aucune. C'est juste des choses que j'ai écoutées et qui parfois ressortent, j'espère, de manière digérée. Quelle est derrière la différence, s'il y en a une, avec votre premier album solo ? Je pense que ce deuxième album est moins construit sur l'anglais,
tout aussi construit sur les chœurs, par contre, mais plutôt en français et féminin. Je pense que le premier album était construit par comme une espèce de patchwork avec beaucoup d'assemblages ou d'empilement. Là, celui-là a des chansons finalement qui peut-être sont un peu plus simples. Mais par contre produite de manière un peu différente et comme vous le disiez un petit peu plus électro, donc peut-être que la production est un petit peu plus léchée, je sais pas si c'est un bon terme. Il y a ça et puis il y a le fait que le premier album était sans doute plus frontal, celui-là a des tempos plus lents, donc je me dis quelque part peut-être qu'il est un peu plus ample aussi, il y a beaucoup d'arrangements de cordes. Voilà, tout ça, ça m'a donné envie en concert. Alors, ça sera pas le cas ce soir parce que là on a entamé les festivals, donc en extérieur on n'a pas ce qu'on avait à une époque en tournée salle, à savoir des vidéos, plus de décors. Ça a amené cette idée-là, donc ça a donné envie avec les gens avec qui je travaille d'amener de la scénographie, chose que moi j'avais peu faite sur le premier album. Donc voilà les quelques différences que je peux citer. Le fait de repasser majoritairement sur le français, c'était quelque chose que vous vouliez ? C'était voulu ? Ben, ce que je voulais, c'était pas utiliser une recette. Donc voilà, c'est sur le fil ça, parce que c'est toujours chouette aussi d'avoir une patte. Donc j'ai pas prétention d'en avoir une, mais cette idée-là. Donc j'ai quand même gardé des chœurs, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt féminin et en français. Après, sur le premier album, j'avais aussi des invités. Moi, je prends pas de tour de chant en anglais. Sur le premier album, j'avais deux invités, Gordon Gano et René Scroggins, qui venaient chanter trois titres. Plus beaucoup de chœurs en anglais, du coup ma voix dans le texte en français prenait moins de place, et à partir du moment où j'ai pas eu envie de reproduire les invités et les chœurs en anglais, de fait le français reprenait sa place puisque ma voix reprenait un petit peu plus de place et les textes aussi. Du coup, vous avez entamé votre tournée d'été, est-ce que pour le moment vous êtes satisfait des concerts que vous avez pu faire avec les morceaux finalement de cet album Orpailleur? Oui, ça se passe bien, merci. Oui. Là, on a construit un set qui est plus court, parce qu'en festival, on joue un peu moins longtemps. Et oui, donc du coup, c'est quand même revenu à quelque chose qui est plus un peu plus frontal, même si il y a autant de morceaux d'Orpailleur que de Ginger. Mais toute la dimension dont je parlais tout à l'heure, un peu scénographique, pardon, est moins présente. Et oui, on est content. Moi, je suis content, je vis quelque chose que j'ai envie de défendre. Ce soir, vous allez également faire un pot commun entre Ginger, votre premier album solo, et Orpailleur. Tout à fait. En jouant quel morceau ? En jouant, il faut un peu de surprise, mais on va jouer Orpailleur, on va jouer La Simplicité, on va jouer Éolienne du nouvel album, on va jouer... qu'est-ce qu'on va jouer ? On va jouer... un morceau qui s'appelle Strong, We Will Be Strong. Puis du premier, on va jouer Dis-moi encore que tu m'aimes, Help Myself, ou Les Belles Choses. Voilà, puis il y a deux reprises. Surprise. Surprise, oui. C'est important de garder la surprise. Merci Gaëtan Roussel d'avoir été en notre compagnie. Merci un à vous. Second titre que vous avez réalisé pour votre dernier album, Tcha, Tcha, Tcha. On se retrouve ce soir, donc, devant la cathédrale, 21h. Avec plaisir, merci. Au revoir. Au revoir. Petit déjeuner, 2 ans dîner, nuit blanche, mais là je dois filer, 3 ans dîner, dormir, laisse, ça va revenir, 4 ans la panne et dire que l'on n'a pas ouvert les vannes. Cinq ans tout semble ici, perdu mes adieux, mon amour, 6 ans tout semble éteint, au hasard je vais fuir, 8 ans les manœuvres, sortons la grande échelle, 8 ans nous voilà à pied d'œuvre, montez les décibels, 9 ans dîner, nuit blanche et petit déjeuner, 10 ans dîner, nuit blanche, mais là je dois filer.
blanche et petit déjeuner. 10 ans dîner, nuit blanche, mais là je dois filer. 11 ans tout reste encore possible. Nous voilà invincibles. 12 ans je file, précipite, vite, 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 vite. 13 ans les seuls êtres censés au beau milieu des fous. 14 ans dîner, dormir, laisse, ça va revenir. 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 Alors que Gaëtan Roussel vient de filer, Newton est en train de se préparer pour jouer à 19h30 en première partie sur le parvis de la cathédrale. Nous avons interviewé le chanteur Arca et le guitariste Fox. Mais avant de passer cette interview, de s'intéresser à ce que fait le groupe sénonais Newton, qui a sorti un premier album il y a très peu de temps, nous allons filer du côté du CEREP, où il y aura un spectacle d'opéra qui débute à 18h, Carmen Intime, un Carmen totalement remodelé, totalement réadapté par le jeu de Frédéric Rouls, le directeur de l'opéra de Rouen, metteur en scène de Carmen Intime. Il nous explique tout de cet opéra de chambre, un opéra dans lequel 5 chanteurs sont accompagnés par un violoncelle. Un festival de sens pluridisciplinaire, ça passe donc par l'opéra. Bonjour Frédéric Rouls. Bonjour. Vous êtes directeur de l'opéra de Rouen et metteur en scène de Carmen Intime, un opéra de chambre. Oui. Qui va être joué à 18h du côté du CEREP. Vous venez justement du CEREP. Comment est-ce que l'intérieur peut se marier avec votre création ? Eh bien, ça fonctionne très bien. Donc, c'est un opéra de chambre, bon, prévu pour être joué dans des salles relativement petites, avec une grande proximité du public. Donc, on a un public qui est situé de part et d'autre de l'espace scénique. Et dans cette salle, au CEREP, ça fonctionne assez bien. Il y a une acoustique qui est assez généreuse, d'ailleurs. On entend très, très bien les chanteurs. Je leur demande même de calmer un peu le jeu, parce que parfois, c'est des voix d'opéra, ça cogne un peu. Donc, je leur demande de faire beaucoup de nuances et puis de retrouver cette qualité d'intimité qu'on peut avoir dans cette salle. Et pourtant, c'est finalement un opéra modèle réduit, on va dire ça comme ça, un opéra de chambre. Est-ce que vous pouvez donner une définition de ce qu'est un opéra de chambre ? Ben donc, dans ce cas-ci, c'est 4 chanteurs et un violoncelle, ce qui est une configuration assez rare. C'est vrai que l'opéra de chambre, quand on parle de l'opéra, on pense souvent qu'il y a beaucoup de chanteurs sur scène, un grand chœur, un grand orchestre, qu'on est dans des grandes salles avec l'orchestre dans une fosse d'orchestre, etc. Donc ça, c'est la forme grand opéra. Et c'est vrai qu'ici, nous, on a choisi de travailler sur une forme qui reprend les composantes de l'opéra, c'est-à-dire du chant, de la musique. On raconte une histoire en musique, mais dans une dimension qui est beaucoup plus réduite et qui est beaucoup plus proche du public, donc plus près aussi d'une forme de théâtre. Voilà, on est un peu plus... Là, on rapproche l'opéra du langage plus théâtral. Et donc là, vous avez pris des libertés avec le Carmen original de Bizet. Oui, bien sûr. Donc, toute la musique qui est contenue dans Carmen Intime est quand même la musique de Bizet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de réécriture. On retrouve les grands airs, on retrouve la Habanera qui est très, très connue, on retrouve l'air du Toréador que tout le monde connaît également. Donc on retrouve exactement les lignes musicales et mélodiques qui sont présentes dans l'opéra de Bizet initial. Simplement, c'est effectivement certains personnages sont transposés, enfin c'est pas les mêmes, les chanteurs jouent des rôles qui sont pas forcément associés dans l'opéra original. Et puis surtout, la partition est réduite à un seul violoncelle, ce qui est un cas de figure assez exceptionnel, hein, parce que on est en général plutôt sur dans l'opéra de chambre sur quelques musiciens, et ici on a carrément qu'un seul instrument. C'est le seul instrument pour réussir à faire vivre pendant toute la durée de l'opéra l'ensemble de la pièce. Oui, c'était un peu un défi, donc effectivement je me suis dit puisque le projet c'était vraiment de faire Carmen intime, c'est-à-dire d'aller au cœur de ce qui était l'intimité du personnage de Carmen et par extension de l'intimité de l'ensemble des personnages de l'œuvre. Ma question c'était de savoir à quoi on pouvait réduire l'effectif instrumental pour être collé au plus près de cette idée d'intimité et avec ce que ça suppose aussi
de sensualité, de sensibilité, etc. Et en partant de la Habanera, la célèbre Habanera, l'amour est un oiseau rebelle, etc. Si on écoute la version originale, ça commence, et pendant presque toute la Habanera, c'est qu'un violoncelle qui fait des arpèges comme ça, qui soutiennent le chant de la chanteuse. Et je me suis dit, au fond, si tout Carmen, tout l'opéra, ce n'était que ça, ce violoncelle qui égrène les quelques notes de soutien à la Habanera. Et donc, par extension, j'ai commandé à un compositeur cette adaptation et il s'est vraiment donné à cœur joie dans ce travail pour essayer de rendre toute une palette de couleurs avec un seul instrument. Comment vous l'avez choisi ? Le compositeur, c'était un compositeur qui était proche de, enfin, qui habite à Rouen, donc qui était connu à Rouen et qu'on m'avait renseigné en me disant tu cherches quelqu'un pour faire un projet fou, il faut travailler avec ce monsieur. Donc il s'appelle Jacques Petit et effectivement c'est quelqu'un qui a un esprit très très ouvert, très libre, qui n'a pas cherché à réécrire Carmen à sa manière ou à s'approprier Carmen et en faire son œuvre, mais qui s'est mis au service de l'œuvre et de ce projet en utilisant vraiment toute son expérience de compositeur. Ça fait très longtemps qu'il est compositeur. Pour travailler cet instrument, et il y a une écriture pour le violoncelle qui est très 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 bien faite, très virtuose aussi, c'est très exigeant pour l'instrumentiste. Voilà, le compositeur, c'est un compositeur qui a été l'élève d'Olivier Messiaen par exemple au Conservatoire de Paris, etc. C'est quelqu'un qui a vraiment un parcours très très riche. On a extrait un bout de son écriture donc pour Carmen intime. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Le profil des chanteuses Frédéric Rouls, Carmen intime. Chanteuses et chanteurs, hein, d'ailleurs, puisqu'il y a deux garçons, deux filles, donc sont plutôt des jeunes chanteurs. Nous, on a la chance à Rouen, on a une compagnie de jeunes chanteurs donc, qui sont donc présents toute la saison, pendant deux saisons en fait. C'est un projet un peu d'intégration professionnelle et d'émancipation professionnelle pour des chanteurs plutôt en début de carrière. Donc j'ai travaillé principalement avec ces chanteurs-là, donc trois sur les quatre sont les chanteurs de la compagnie. Et la quatrième, on est allé chercher sur audition. Voilà, donc ce sont de toute façon des jeunes chanteurs qui sont prêts à ce genre d'exercice, c'est-à-dire à chanter des grands rôles, mais dans cette configuration qui est réduite. Et ça demande un investissement effectivement aussi sur le plan du jeu qui est assez important, puisque voilà, on est dans une forme qui met à nu, on est très près des corps, on est très près des interprètes, et donc il y a un investissement aussi physique et dans le jeu qui est important. Donc, voilà, on a fait un vrai travail sur ce côté-là. Donc je peux les citer. Donc il y a Catherine Lafont qui chante le rôle de Carmen, Jenny Davier qui chante le rôle de Michaela, Vincent Billier qui chante le rôle de Escamillo et Carlos Natale qui chante le rôle de Don José. Là vous avez expliqué pourquoi vous les avez choisis, mais dans leurs rôles respectifs, qu'est-ce qu'ils avaient, qu'est-ce que vous recherchez pour incarner ces quatre, cinq personnages de Carmen. Alors sur le rôle de Carmen, la dimension qui m'intéresse vraiment fort, c'est la dimension de fragilité du personnage. Je trouve que Carmen, c'est un personnage qu'on présente assez souvent comme séducteur, mais avec une forme d'arrogance, avec une forme de d'outrecuidance comme ça, d'une femme parfois un peu vulgaire. Et je cherchais au contraire dans cette forme de séduction en fait le reflet d'une fragilité intérieure assez forte, d'une blessure assez forte, qui explique qu'elle peut s'attacher très vite à un homme, mais aussi très vite le rejeter. Ce qui pour moi est le signe d'une grande insécurité. Donc je cherchais une fille qui soit capable d'incarner cette fragilité-là. Elle est aussi très jolie, elle est très séduisante naturellement, Catherine, mais en même temps, il y a ce côté un petit peu incertain, un petit peu fébrile, un petit peu fragile qui m'intéresse beaucoup aussi.
Et c'est un peu un concept que j'ai développé sur l'ensemble des personnages. En fait, c'est un peu la trame de la dramaturgie, elle est là, c'est sur une recherche de fragilité des personnages. José, c'est un homme, bon, c'est un soldat normalement dans l'opéra original. Ici, on en a fait un gendarme. Mais pareil, c'est quelqu'un qui est du côté de la force et du côté de l'uniforme, etc. Mais qui en fait est un cœur tendre et c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de sa vie, qui n'est pas sûr des choix qu'il va faire. Et donc, on ressent très fort ça. Donc, je cherchais aussi un ténor avec cette sensibilité-là. Et on est sur un ténor, Carlos Natal, et un ténor qui est plus léger que ce qu'on entend d'habitude dans le rôle de José, ce qui est possible pour nous dans des configurations comme ça, et qui donne justement dans le caractère même vocal une forme de fragilité, de sensibilité peut-être plus grande qu'avec des ténors qui sont des pétoirs. Et puis Escamillo, c'est aussi, voilà, c'est un toréador, c'est quelqu'un qui en jette, etc. Au fond, c'est un vrai sentimental. Et voilà, je cherchais un interprète qui soit capable aussi d'intégrer cette dimension-là. Et puis Micaela, elle a à la fois... Micaela, un personnage intéressant parce que c'est un personnage qui évolue tout au long de l'opéra. Elle commence vraiment presque comme une petite fille. C'est une petite fille fragile, vulnérable, etc. Et puis elle, au contraire, elle va gagner en assurance au cours de l'opéra. Elle va mûrir, elle va devenir femme. Et donc ça, on le sent. Il y a un changement de costume, par exemple, pour elle en cours de représentation, qui l'a fait évoluer vers un statut plus de femme, et de femme sûre de ce qu'elle veut et de récupérer, en fait, l'homme de sa vie qui est José. Et dernière question, il y a un débat actuellement autour du Festival de Sens, car c'est un festival qui est gratuit. Certaines personnes, y compris au sein de la municipalité, estiment que la gratuité n'est pas forcément quelque chose de bon et que ça peut même être péjoratif finalement pour les artistes qui, eux, se produisent. Est-ce que vous, c'est une notion qui vous interpelle, vous agace ? Non, moi je trouve que j'ai pas de parti pris sur l'une ou l'autre option. Simplement, je me rends compte depuis hier en étant ici qu'il y a un esprit très associatif, très convivial, très proche justement de la population dans ce festival. Et c'est sûr que la gratuité est une des composantes de cette dimension-là. Si on allait vers un festival payant, je pense qu'on serait plus dans un festival de type professionnel avec du coup un côté plus sélectif sur le public aussi, ce qui est une perte en tout cas. Enfin, c'est une autre démarche. Oui. Merci Frédéric Rouls. Merci à vous. Merci et à bonne chance. Merci. Carmen Intime à 18h au CEREP. Comme vous venez de l'entendre, c'est gratuit comme l'ensemble des spectacles de ce festival, aspect qui pourrait s'oublier dès l'an prochain. Profitons-en et avançons dans le programme. À 19h30, Newton fait la première partie de Gaëtan Roussel sur la scène principale, montée place de la cathédrale. À l'origine de ce groupe, le parolier Boris Bergman, qui les voulait pour un concert hommage à Alain Bachung, donné peu de temps après sa mort. Le groupe a fait du chemin, s'est façonné sa propre identité pour Soldad, album sorti au printemps dernier. On a retrouvé sur la rue Thénard le chanteur du groupe Arca et le guitariste Fox. Arca qui reste très attaché à la ville et qui a plusieurs projets en tête pour Sens. C'est parti pour cet entretien. Vous êtes sur Stoliac FM, sur le magazine du festival. Vous allez jouer pour la première partie de Gaëtan Roussel. Est-ce que à ce niveau-là, vous êtes là pour jouer vraiment votre musique ou pour essayer de vous adapter au public type de Gaëtan Roussel ? Ah bah non, on joue notre musique, sinon on ferait des covers. Non, on n'essaye pas. En plus, on ne sait pas vraiment c'est quoi son public. Son public, il doit avoir des gens qui aiment ce qu'on fait, des gens qui n'aiment pas ce qu'on fait, et puis vice-versa. On ne sait pas c'est quoi son public. En plus, la musique, c'est tellement space maintenant. Tu vas retrouver des métalleux à un concert d'Obispo. Et non, mais c'est vrai, quoi. Tu vois, c'est dingue. Les gamins de maintenant, ils écoutent la musique de leurs parents. Et ce qui ne se faisait pas il y a 30 ans encore. Donc, il n'y a pas de... Je crois plus qu'il y ait vraiment de public type, à part dans le rap. Le rap, la techno, le celtique. Et le celtique, on les repère en kilt. Sinon... Vous avez un truc particulier contre le celtique, non ? Non, c'est parce qu'on va à Anthony, qui est notre ingé son en studio et tout. Il fait du celtique, il adore. Et à chaque fois, on s'est dit, à chaque fois qu'on aura un truc, on fait une vanne sur le celtique. Vous, ce que vous faites, donc, ça a été Soldad, l'album qui est sorti cette année. Ouais. Là-dessus, pour beaucoup de personnes, il y avait clairement une influence Bachung. Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez volontiers ? Bah ouais. Ouais, tout à fait. En plus, on a participé grâce à Boris Bergman. En fait, c'est de là que tout est parti, quoi, l'histoire de Newton. On a été invité à la Goutte d'Or pour l'hommage lorsqu'il est décédé.
Et puis voilà, et puis en plus on a travaillé aussi avec Boris Bergman sur l'album, sur quelques textes, donc ouais, il y a une sorte de lignée quoi, derrière, sans non plus rentrer, sans faire du Bachung non plus quoi. C'est vrai, je suis un gros fan de Bachung depuis tout le temps, les mecs de ma génération aussi, comme Yannick qui bossait à Stoliac, il n'y avait pas 10 000 mecs en France. Et Bachung, c'est le mec qui compilait ce que j'aimais, ce côté populaire avec ce côté rock'n'roll, mais rock'n'roll, il avait des influences rockables comme j'aimais bien. Donc c'est vrai, on aime bien Bachung, je sais pas, ça se ressent beaucoup. Il y a des gens où je trouve que ça se ressent plus que nous. Mais nous, Bachung, peut-être la première période, ouais, sa période bien rock'n'roll, moins poète, déchiré, tout ça, fleur de peau. Ça, c'est pas notre truc, ça viendra peut-être, mais là, pour l'instant, c'est pas que c'est pas notre truc, c'est que c'est pas dans nos influences. Hein. J'écoute pareil. Non, non, Bachung. De toute façon, Bachung, téléphone, tous ces trucs-là en France. On n'a pas des Rolling Stones à tous les coins de rue et des Oasis, on a Bachung, on a des mecs comme Thiéphène, Téléphone, Paul Persson, et puis après ça devient la chanson française, mais là, pour moi la grande chanson française, des pionniers comme Brassens, Brel et tout, comme tout le monde, c'est pas nouveau. Et puis il y a Obispo, maintenant, actuellement, ou pour moi plus Paul Naref ou la variété des années 70, tu vois. Paul Naref, je sais pas, Dao, plus proche de nous, j'aime bien aussi ce truc-là. Et on est comme tout le monde, tu sais, les mecs qui ont mon âge, tu vois, un exemple, comme MC Solar et tout ça, qu'ils ont là toujours écouté de la R&B, tout ça, peut-être. Moi, dans ma cité, on n'écoutait pas ça, on était comme tout le monde, hein, on écoutait les Roubettes, c'est ce qui passait à la radio. Il y avait une ou deux radios, une chaîne de télé, t'avais pas le choix. Hein. Tu te tapais Dalida, Claude François. Voilà, tu te tapais Claude François, des trucs comme ça. Et en vieillissant avec les grands, tu commençais à connaître les Stones et tout. Mais ça passait pas à longueur de temps à la radio. Hein. On n'est pas en Angleterre. Hein. Pour cet album, vous avez compilé 12 morceaux sans idée type de single, apparemment, de ce que j'ai vu sur votre vidéo présentation. Du coup, cet album, qu'est-ce que vous vouliez diffuser dessus. À vrai dire, au moment où vous vous êtes réunis pour le créer, cet album, et le construire, qu'est-ce qui était dans votre tête? Qu'est-ce que vous voulez par-dessus tout pouvoir dire et pouvoir composer? Question difficile. Je sais pas, je pense pas que au moment où on élabore un album, en tout cas, on le pose pas en ces termes-là. On fait simplement des chansons sans penser à quoi que ce soit, à se dire tiens on va se diriger comme ci, comme ça. On crée d'abord des chansons simplement avec une guitare acoustique, avec une mélodie, on fait les paroles dessus, les arrangements se font ensuite en répète avec le groupe. Et selon les influences que chacun a, chacun peut mettre sa patte sur le titre. Mais je pense pas qu'au départ on se dit tiens essayons de faire passer telle influence, moi par exemple dans mes guitares ou David, telle influence dans la batterie. Je pense que ça vient naturellement tout seul. Je pense pas que ce soit réfléchi en tout cas au départ, c'est plus spontané que ça en tout cas. Quand tout se défile, tourne vinyle. Ah, 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 ah. Quand j'attends plus rien, ni on m'a ni on vient. Ah, 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 ah. Soldat, soldat, soldat. De moi, c'est que vraiment
J'ai fait des trucs, même des maquettes, des chansons pour d'autres gens et tout. Un mois, deux mois après, six mois après, j'avais même des fois un peu honte. J'ai dit pourquoi j'ai fait ça. Un peu comme quand on a des idées de génie à 23h minuit, on dit « Oh, je suis un génie !» Et le lendemain, on relit ce qu'on a dit. On dit « Oh, c'était honte, tu n'oses même pas le faire lire à ton meilleur ami ou même à ta femme. » Et là, non. Là, je suis fier de cet album. Je trouve que ça sonne comme on voulait qu'il sonne. Bon, certes, d'autres le trouvent un peu dur pour les radios et tout. Quoique, on commence à avoir des contacts de radio. Je crois que Fox a raison dans ce qu'il a dit juste avant, c'est qu'on ne s'est pas posé de questions. C'est une des rares fois où on ne s'est pas posé de questions. Nous, on est là depuis, grâce à l'hommage à Bachon, sollicité par pas mal de gens, des gens très connus, des gens moins connus. Donc, pour une fois, on n'a pas eu cette pression, pas du tout. En plus, on a produit l'album de Sutcliffe qui marche super bien, donc on n'a pas du tout la pression. On se dit, après tout, on a fait un truc qui marche déjà bien. Puis d'autres gens qui nous contactent. Là, on bosse avec Serge Hubrette qui a écrit L'incendie pour Vanessa. Il veut faire son album, il nous a demandé de le faire. On a le mec de Coq Robin qui veut se faire un album, il nous a contacté pour. On a rendez-vous fin août. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de pression, on s'est fait plaisir. On essaie que ça sonne parce qu'on ne va pas se cacher non plus. Hein. Si ça marche, tant mieux. Hein. Moi, je préfère en vendre 100 000 que d'en vendre 2, quoi. Comme tout le monde. Celui qui veut en vendre 2, qui ne se donne pas la peine d'aller en studio, hein, qui fasse la manche dans le métro et même. Des fois, en faisant la manche dans le métro, il peut se faire de l'argent. Le mieux, c'est qu'il reste chez lui, dans sa chambre, tout seul. Mais si ça marche pas, je serai déçu. On sera déçu, c'est sûr. Mais on sera fait plaisir. Vraiment, on sera fait plaisir. Il n'y a pas de concession. Et avec cet album, vous pensez que vous êtes trouvé en tant que Newton, groupe indépendant, par exemple, de cet hommage Bachung? Je sais pas si on s'est trouvé. Là, pour l'instant... Il y a plein de gens qui nous parlent de Bachung, c'est vrai, on nous en parle souvent. Quand on fait des interviews, que ce soit des trucs Radio France ou quoi que ce soit, là, on a une chronique dans Rolling Stone, c'est vrai qu'ils en reparlent, tout ça, mais ils en parlent aussi, ils ont parlé de bijoux aussi. On ne voit pas où est bijoux dans ce qu'on a fait, mais bon. Donc après, chacun se reconnaît, chacun retrouve dans ces trucs-là ce qui l'intéresse, quoi. Je sais pas. Nous, on ne se pose pas cette question. On se pose pas. Si les gens trouvent qu'il y a des influences Bachung, super. Pour moi, je prends ça comme un super compliment. Qu'il y a des influences téléphone, super. Qu'il y a des influences... Je m'en fous, je trouve ça... Sauf si c'est vraiment un artiste qu'on n'aime pas, là, j'aurais un peu les boules, quoi. Ce qui me mettrait le plus les boules, ou la rage, je crois, c'est quand t'as fait un album, un truc que t'adores, et tu rencontres quelqu'un que tu aimes, que tu adores, et cette personne-là, elle aime pas ce que t'as fait. Ça te met les boules. C'est déjà arrivé, hein ? Ça m'est arrivé dans Matador, ouais. Où on a les boules. Je dis, merde, le mec, j'aime bien, il aime pas ce que je fais. Mais après, les gens qui m'aiment pas et que dans la vie de tous les jours, ça serait pas mes potes, ça me gêne pas. Dans tous les cas, on serait pas entendu même autour d'un café. Et pour le futur, est-ce que pour le moment, vous pensez déjà à reproduire un second album ou à vous concentrer sur vos concerts tournés? Voilà, l'album vient de naître quand même, il est sorti il y a 3 mois, donc... second album, oui, probablement, surtout qu'on a la grande chance aujourd'hui d'avoir une liberté artistique puisqu'on ne dépend pas d'une maison, enfin on n'est pas artiste maison de disque, on est vraiment artiste indépendant. Et la maison de disque Naïve nous sert seulement de distribution, donc du coup on a vraiment une liberté de pouvoir, comme disait Arca, faire la musique qu'on veut, se faire plaisir sans avoir de concessions à faire, oui, par rapport à des agents artistiques, etc. Donc, second album, oui, de toute façon, on a toujours des chansons en réserve, donc évidemment qu'on en fera un. Mais c'est vrai qu'on a plein de projets. En plus, on bosse, on veut vraiment bosser sur Sens. On nous avait proposé d'aller dans plein de studios, au Manoir. On bosse sur le studio de Sens qui a une super qualité, avec un super ingé son, tout ça. Vraiment, donc on a déjà cette chance d'avoir une ville comme Sens, soutenue par la municipalité, où on est assez libre, quoi. On n'a pas cette épée au-dessus, chercher un studio, un ingé son, tout ça. Déjà, on n'a pas ça. En plus, comme je disais, on est en train de produire d'autres gens. On a le nouvel album de Sutcliffe qu'on est en train de travailler dessus. On commence, là, on a commencé la semaine dernière, en plus de tout ce qu'on fait, on a commencé pour le prochain album qui serait dans un an. Et on a toujours en projet de faire un label Ville de Sens municipal où on produirait des jeunes groupes du coin parce qu'il y en a plein qui ont du talent. Je pense à Shock Twins, California, bon, Johnny Mafia, tout le monde commence à les connaître, Ogma dans le métal, et on taperait large. On prendrait même du Celtic. Voilà pour l'interview de Newton. C'était la dernière.
interview pour le magazine du festival. On se quitte ainsi. Je vous rappelle qu'à part Newton à 19h30, puis Gaëtan Roussel à 21h devant la cathédrale, il y aura sur la scène ouverte de la place Drapès Midnight, un groupe pop-rock qui doit jouer à 19h. Actuellement, si le timing se tient, c'est le Tumbao Salsa Sense qui donne dans de la danse. Nous, on se retrouve demain 17h pour un nouveau magazine du festival. Et si jamais vous vous intéressez au festival et à Radio Stoliac, sachez que nous sommes et nous avons un stand sur le village, place Drapès, parking de l'hôtel de ville. Diverses informations sur votre radio préférée y sont à retrouver. Très bonne soirée, on se retrouve dès demain.